Bon, Sébi, on va faire un petit jeu ensemble. On va te poser des questions, chacun notre tour avec Arthur. Toi, ton but, ça va être bien sûr de donner la bonne réponse. Bien sûr. Si tu donnes la bonne réponse, tu restes à ce petit poids de minot. Si tu te trompes, on augmentera d'un ou deux ou trois, ça dépendra. D'accord? Pas de problème, on est là pour jouer. Allez. Parfait. Alors, première question, je suis gentil avec toi. Ouais. Combien y a-t-il de Maxime dans le groupe? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 3. 2. Facile, j'avais prévenu. Et Max Machino. J'avais prévenu. Parmi ces joueurs, lequel a inscrit 2 essais lors du dernier mondial? Réponse A, Slimani. Réponse B, Médard. Réponse C, Ficou. Réponse D, Lopez. C'est une facile aussi. Ficou. Faux. Slimani. À bord? Ok. Reposez, s'il te plaît. Improbable. Improbable. J'ai donné une facile tout à l'heure, donc là, je vais donner une difficile. Cite-moi tous les pays vainqueurs de la Coupe du Monde depuis sa création en 87. 87 ? Ouais. Nouvelle-Zélande, Angleterre, ouais. Australie, Afrique du Sud. C'est bien. Putain, t'as craqué. Attends, mais je viens. Qu'ont redouté les autorités japonaises au mois de mai selon l'AFP ? C'est bien droit. L'arrivée massive de touristes mal éduqués sur leur territoire, la pénurie de nouilles ou la pénurie de bière ? La A. C'est la pénurie de bière. De quoi? La pénurie de bière. En fait, les questions dures, elles sont là-bas, quoi. Bois de la bière, les Japonais. Allez, on t'en repose pas. Reprends le truc. Pourquoi la marque sponsorisant les ballons de la Coupe du Monde s'appelle Gilbert? Parce que son créateur était un proche de Gilbert Montagnier. Petit B, parce que le cordonnier qui jouxtait le collège de la ville de rugby s'appelait William Gilbert. Ouais. Ou C, en hommage à Gilbert Jones, meilleur ami de William Wade Ellis. Ah. Hey, pourquoi tu t'arrêtes là? C'est une question piège. Ah, vas-y. Ouais, je dirais plus la C. Ok, parce que c'est la B. Ok, ça marche. Allez, enchaîne. Toi aussi, enchaîne. Quel est le plus gros carton de l'histoire du 15 de France en Coupe du Monde? Victoire Anisée 51-13 face à l'Italie en 2003. Victoire 87-10. Ouais, j'écoute. Mais non, mais on t'écoute comme ça. Victoire 87-10 face à la Namibie. 93-6. Saint-Denis, style. Allez, allez. Face à la Côte d'Ivoire en 2011. Ah, la Namibie, là. Bien. Bien joué. Cité. Allez. Allez. Cite-moi 7 joueurs qui étaient 7 joueurs qui étaient titulaires lors de la finale France-Nouvelle-Zélande en 2011. Ouais. Ah, t'arrêtes pas, par contre, réfléchis. Nicolas Mas, Servat, Cooks. Attends, dis-les doucement, par contre, s'il te plaît. Nalé, ouais. Papé, Bonner, Dussautoir, Arinor Doki. C'est pas mal. Ouais. Mais non, mais... dis vite, là. C'est bon. Tu dis le papier devant. Il s'est gavé. Quel match a donné lieu au record d'affluence en Coupe du Monde le 11 octobre 2015 avec 267 spectateurs au rendez-vous? Hein? Mais Argentine... Non, mais gagne pas du temps. Argentine-Australie, Nouvelle-Zélande-Australie ou Irlande-Roumanie? Nouvelle-Zélande-Australie. Faux. Irlande-Roumanie. C'est fini? Mais t'en fais quand même quelques-unes. Voilà. Pour te punir. Il a fait combien? 2 sur 4? T'es malade ou quoi? Non, il a fait 3 sur 8. C'est bon. Allez, bien joué.